Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment dessiner ce petit phénix d'Harry Potter. Voilà le petit fume sec. On voit ça directement en détail dans la suite. Allez, go! Donc, dans un premier temps, on va venir dessiner l'emplacement de notre bec. On va dessiner, donc, comme d'habitude, la forme globale de notre oiseau pour l'occasion. Mais comme d'habitude, on fait la forme globale de tous nos dessins. Comme ça, on peut bien répartir le personnage sur la feuille. Alors pour le phénix, on va essayer d'avoir des belles courbes. C'est pour ça que je tiens mon crayon assez loin pour avoir un maximum de belles courbes. Voilà, faites bien les courbes avant de faire tous les détails. Comme ça, vous aurez un dessin qui sera logique. Voilà. Même si on aura des plumes, on aura une bonne base. Ensuite, on peut faire son dos. Pour réaliser ce dessin, j'ai pris plusieurs modèles. Ensuite, on va pouvoir rajouter tous nos détails. Donc, on vient reprendre notre dessin depuis le début. On va commencer par le bec. N'hésitez pas à mettre pause et prenez bien votre temps pour faire tous les détails.
Voilà pour le dessin, donc ensuite on passe à l'ancrage avec un liner. Je viens faire des traits plus ou moins gros pour donner un style cartoon à mon dessin. Ensuite pour la couleur, je vais utiliser des feutres alcool, donc je vais utiliser des feutres brush marker. Je vais faire un dégradé du plus foncé vers le plus clair. Voilà pour le dessin, j'espère que vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, dites-le moi en commentaire. Je vous dis à la fois prochaine, allez, ciao!